bien bonjour tout le monde, c'était TGC, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Zelda Skyward Sword. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. La dernière fois on avait donc fait et terminé le temple de la Terre, où on avait finalement terminé par retrouver Zelda qui est partie juste devant nos yeux pour les terres de l'Anel. Et donc on a obtenu la troisième stèle, la stèle Ambre, qui va nous permettre donc de descendre jusqu'à l'Anel. Mais nous on s'en fout un peu, dans le sens où on va essayer de faire des quêtes annexes. Voilà, je cherchais le mot. Déjà on a tous les coffres à récupérer, donc on va commencer par le premier, puisqu'on peut porter 1100 rubis. Je crois que celui-là là-bas c'est un rubis argenté ou un rubis doré. On verra si on arrive trop près de la limite fatidique. On ira à Célestbourg les dépenser, puisqu'on a pas mal de choses à acheter. Voilà. Perfect. Donc ouais, c'était un rubis doré, parfait. Ouais, du coup, on va retourner à Célestbourg de suite. Je vais juste mettre la balise. Hop. Voilà. Je vais juste mettre la balise. Alors, ici, on a un mini-jeu. Donc, on va aller faire. On va aller faire le mini-jeu. On a le mini-jeu du tranche bambou. Tiens, donc voilà, Link. C'est pas tous les jours que quelqu'un passe me voir. Où est-on ? Dans leur repère secret où je me consacre ce jour à mon entraînement à l'épée. Figure-toi qu'à une époque, le village entier m'appelait l'idole du bourg. Mais avec le stress permanent à la naissance de ma fille, j'ai fini par prendre un début dans mon foin. Voilà pourquoi je fonds du bambou en solitaire et pas mieux pour retrouver la forme. Et donc, Link, t'as peut-être envie d'essayer. Voilà ce que je voulais entendre. Allez hop, suce au bambou. Une seconde, il ne manque pas quelque chose. Ah, mais oui, je me disais bien. Tu vois ce bambou là au milieu, tu vas devoir le tailler en pièces. Coupe autant de morceaux que possible avant qu'il se retrouve par terre. Si tu t'en sors bien, tu auras une récompense. Alors qu'est-ce que t'en dis? C'est dit Ruby, allez. Vas-y petit gars, je te préviens, il va pas falloir traîner. Très bien. Bon, 22 fois c'est déjà pas mal. D'accord, d'accord. Dès ton gamin, tu as fait combien de morceaux? Oh, 22. Waouh, belle démonstration, on peut dire que tu débrouilles à l'épée. Tiens, tu l'as mérité. Ouais. Un nouveau trésor. Essaie de faire 28 morceaux la prochaine fois. Voilà. Donc bon, en gros, il y a des récompenses pas mal. Le problème, c'est que ce mini-jeu... dépend en fait de l'épée et de la rapidité. Et alors après, de mémoire, je crois pas qu'il y ait vraiment de vraies récompenses intéressantes. J'espère ne pas me tromper. Enfin déjà, il n'y a pas de fragment de cœur à gagner, donc ça c'est sûr. Après, des rubis, en fait c'est surtout pour des rubis, pour des trésors. Donc voilà, on va aller du coup à Célestbourg et on va aller voir notre ami Terry. Puisque c'est lui chez qui on va dépenser le plus de rubis. Et on va peut-être voir également pour améliorer nos affaires. Pour améliorer nos affaires, puisque on va se rendre dans la zone de l'Anel, donc c'est la zone de l'électricité et du sable. Beaucoup de sable, c'est la zone du désert. C'est une zone que je n'aime pas beaucoup de base. Enfin, il y a un truc que j'aime bien dans cette zone. Enfin, il y a même deux trucs. Dont un qu'on verra que beaucoup plus tard dans le let's play. Et le premier qu'on va voir assez tôt. Mais sinon, c'est pas vraiment du tout ma zone favorite. Alors, du coup, Monsieur Terry, je voudrais ceci.
Ça, c'est une poche supplémentaire pour ta sacoche avec laquelle tu pourras emporter un objet de plus par l'accessoire. Hein. 300 rubis. J'achète. Thank you. Alors, je vais ressortir pour rentrer. Parce que normalement, ça a dû faire apparaître la prochaine poche. Et parce que comme... Je sais plus si je l'avais dit, mais en fait, le prix des poches augmente. Voilà. C'est une poche supplémentaire pour sa gueule. Je la vends 608. Ouais. Le truc, c'est que si j'achète ça... Et bah, j'ai plus du tout de sous. Et bah, vous savez quoi, j'achète. Voilà. Parfait. Donc, il nous en manquera qu'une, mais elle a 1200 rubis. Mais alors là, du coup, je suis vraiment à la dèche. Hein. Du coup, on va repartir immédiatement de Célestbourg. Puisqu'on n'a même pas de quoi réparer notre bouclier ou quoi. Ou améliorer nos équipements. Et on va aller chercher les autres coffres. Avec, je l'espère, un autre rubis doré. Ce serait cool. Donc c'est parti les amis. Il y en a trois qui sont par là-bas, il y en a un qui est de l'autre côté également. Et puis après on ira voir également pour voir s'il n'y a pas des nouvelles quêtes qui sont débloquées. Et je vous avoue que je sais plus du tout parce que autant les premières quêtes, donc avec comment il s'appelle le démon, je sais déjà plus. Morcego, voilà. Ça y est. Donc pour les quêtes avec Morcego, je me souviens pas mal de certaines. Notamment celles qui sont au tout début, puisque bah forcément c'est au début du jeu. Mais après, je dois avouer que je me souviens pas beaucoup. Ah oui. Ah oui. Parfait. Allô. Bah rubis argenté, c'est cool. Et alors là, je crois qu'il y a un autre coffre, mais qui est pas débloqué, mais... Alors ça, c'est l'île de Terry, d'ailleurs. C'est l'île où, en fait, il va la nuit. C'est l'île où il habite, quoi. Elle est beaucoup plus haut dans le ciel. Je sais pas non plus si on peut pas faire la deuxième partie de la quête au niveau du... Au niveau de la citrouille perchée. Ça vaudrait le coup d'aller voir vu qu'on est sur le trajet. Alors oui. Ok, c'était bien celui-là. Parce que là, pareil, je crois qu'il y a un autre coffre. La médaille trésor, avec elle les trésors apparaîtront plus fréquemment, indispensable pour la chasse au trésor. Alors ça prend une place. Par contre, ouais, ce qui est vrai, ce qui est bien, c'est que du coup, on a plus de trésors. En gros, après, tout sera d'équilibré en gros entre les médailles. Parce que bien évidemment, vous vous doutez bien que s'il y a une médaille
Trésor, il y aura d'autres médailles. Après, il faudra choisir celle qu'on veut. Alors, hop. Non, c'est pas toi que je veux appeler. Je voulais recentrer mon curseur, mais c'est pas grave. Alors, on va... voilà. Donc ouais, donc là aussi il y a un coffre. Et là il y a un lierre qui sert absolument à rien. Soit. Donc voilà, du coup, on va dézoomer. Et du coup, on va passer, je pense, à la citrouille perchée dans un premier temps. Voir si justement on peut pas faire l'autre quête qui nous manque. Enfin, la nouvelle quête. Allez. Ah, les trajets en oiseau. Bon, non, vous verrez après quand je vous ferai Wind Waker. Parce que vous savez que c'est mon Zelda préféré. Forcément, je vous le ferai. Les trajets en bateau seront plus longs que ça. Alors, est-ce qu'il va me lire ? Ah oui, parfait, on peut faire la deuxième partie. Thomas, la gamme, maintenant appuie que j'ai un travail pour toi. Tu vas nous aider avec la récolte des citrouilles et que je n'entende pas. Ok. Ça devrait pas te poser de problème. Tu vois le plan de citrouilles devant Tyrone s'occupe là-dehors. Je voudrais que tu ranges ces citrouilles dans la boue. Il va voir Tyrone, elle va t'expliquer. Mais n'oublie pas, tu peux ramasser les citrouilles en journée. On sait jamais ce qui pourrait arriver quand il fait sombre. Très bien, parfait, voilà qui est intéressant. Voilà, et je crois que d'ailleurs après la zone de l'anel on pourra faire la dernière partie. Parce qu'en gros il y a trois travaux à faire. Hi. Ah, tu es là pour m'aider à la récolte de citrouilles? Je dois bien admettre que je suis soulagé, as-tu l'idée d'une fois que ça pèse une citrouille? Comment ça c'est léger comme une plume? Ah ah, je vois si on pimente un peu les choses dans ce cas. Voyons si tu es capable de porter 5 citrouilles à la fois. Un conseil au passage, vas-y doucement si tu ne veux pas les faire tomber, c'est parti. Citrouille droit devant, au travail. Alors allons-y, je vais te montrer où ranger les citrouilles. Donc voilà, bien évidemment, ça va pas être... de la tarte à la citrouille. LOL. Si tu veux les porter toute la fois, n'oublie pas une chose, marche très lentement. Si elle penche à droite, avance vers la droite. Si elle penche à gauche, avance. Non, c'est juste une question d'équilibre. Mais pas si tout, elle tombe forcément sur la trop vite, c'est tout. Bonne chance. Donc voilà. Faut vraiment y aller. Voilà, du premier coup. Wow. Tiens, si j'en étais sûr. Très bien, je te laisse tranquille avec Citrouille à présent. Merci de tout cœur. Voilà. Alors, je sais plus si lui nous donnera un truc. Ah, voilà, c'est bien ce qui me semblait. D'accord, ok, très bien, il est tombé. Très bien, je voulais récolter le petit truc.
Alors, ce qui va nous donner une récompense, quelques rubis, je sais pas moi. Excellent gamin en infini avec la racole de citrouille, mais laisse-moi te dire que tu n'as pas toujours remboursé mon joli illustre. T'es même plutôt loin du compte, je vais réfléchir à ce que je pourrais te reviens voir plus tard. Ok, très bien, donc non. Voilà. Bon, après, ça fait partie des. Comme je l'ai dit, il y a trois travaux à faire et à la fin des trois travaux, on gagne un fragment de cœur. Donc autant les faillir. D'ailleurs, le plus dur, c'est vraiment le dernier. Je viens de me souvenir ce que c'était. Et autant, la récolte de citrouille à côté, c'était très très simple. Du coup, est-ce que j'ai balisé? Oui, j'ai balisé. D'accord. Ok, très bien. Du coup, on va aller chercher donc ce dernier coffre. Et ensuite, on ira faire nos emplettes, poser la stèle et voir si on n'a pas des petites quêtes à faire. Même si finalement, je suis plutôt en train de douter du fait qu'on ait des quêtes. Je me demande en fait si on a vraiment des quêtes. J'ai pas souvenir en fait qu'on ait de quêtes justement après la zone d'Ordine. Parce que comme c'est le moment où en gros... Aïe, j'ai raté le... Calme-toi Link. Comme c'est le moment où on démarre les quêtes annexes entre la zone de Firon et la zone d'Ordine. Je me demande s'ils ont vraiment mis cette quête. Alors là il y a une île un peu bizarre, en fait c'est une île à mini-jeu, mais le mini-jeu n'est que pour plus tard. D'ailleurs c'est un mini-jeu très très sympa, il y a un fragment de cœur à gagner et c'est un moyen de se faire pas mal d'argent facilement. Parfait. On voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus de coffres. Je crois qu'il y en a trois de toute façon sur cette île. Ah bah c'est le petit sac de graines, voilà. Donc voilà pourquoi il fallait pas l'acheter. Par contre je suis un poil déçu quand même. J'espère trouver un peu plus d'argent. Mais bon c'est pas grave, on a quand même eu un rubis doré, un rubis argenté. Rubis doré qui a été instantanément claqué. Mais bon, avec 103 rubis, je pense qu'on devrait pouvoir faire quand même quelques emplettes. Sachant que niveau potion, on est bien, puisqu'on a quand même toujours la polypotion du début, la potion de soin. On a une fée, au cas où. C'est vrai. Et on a plus rien. Et après, on a plus de flacons, donc ça sert à rien, en fait. Là, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer d'avoir un meilleur bouclier. Donc, puisqu'on va dans la zone de foudre, enfin d'électricité, il va nous falloir le bouclier en bois. Pour avoir un bouclier isolant, parce qu'avec le bouclier en fer, sinon, ça va être galère. Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai que les ennemis de cette zone sont particulièrement pénibles. Donc, là, ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire... Ah oui, c'est vrai, lui, il vend le sac de bombes annexe. Combien tu le vends? Mais j'ai pas assez. Il est pas assez. C'est dommage, bon, on l'achètera plus tard. Surtout que j'ai encore un emplacement de libre. Oui. Eh bien vas-y. On va récupérer ça. Puis même, on va mettre le bouclier en haut. J'aime mieux. Et puis du coup, on va garder ça parce qu'en fait, on a pas grand-chose à part le bouclier. Il nous reste même un emplacement de livre, ce qui est plutôt cool. Donc allez voir le monsieur ici. Alors, le filet. Ok, très bien. Là, il me faudrait des perles d'ombre. Problème, les perles d'ombre, on n'en a pas encore rencontré.
Ça c'est cool. Comme ça on aura un bouclier un peu plus résistant. Voilà un bouclier en bois solide. Et normalement il y a encore un niveau d'amélioration. Ouais mais il nous faut des virevoltants. Ça on en trouvera dans la zone de l'anel bien évidemment. Les griffes de monstre j'en ai plus. Crâne décoratif. Ah et griffes de monstre. Ah. Bon bah tant pis. En tout cas voilà déjà c'est déjà pas mal. Parce que du coup on a un bouclier qui est plus résistant. Ce qui est vraiment pratique. Bienvenue à la boutique de potions dans les meilleurs du marché, enfin peut-être, dans cette première, je vais améliorer les potions que tu as achetées à ma femme, enfin si tu veux, très bien, tu veux que j'améliore une potion? Oui. Alors, très bien, voyons ce que je peux faire pour toi. Ah, très bien. Répare un bouclier cassé et automatiquement il rend 8 coeurs. Potion de soin améliore, restaure la jauge de vie. Il me manque un papillon et c'est tout. On va aller chercher dans mon papillon. Alors, est-ce que c'est vraiment intéressant? 3, 6... Non, pour l'instant, c'est pas intéressant. D'améliorer la potion de soin, parce qu'en gros, actuellement, elle nous restaure 8 coeurs. Et elle vaut 20 rubis. Si on l'améliore, donc déjà, il y a un coût d'amélioration, je crois que c'est 30 rubis, j'ai pas fait gaffe. Je pourrais pas en améliorer 8000 non plus. Parce que je fais ça coûte des insectes. Et ça restaure toute la barre de vie. Quand je dis toute la barre de vie, ça va de 1 cœur à 20 cœurs. Ce qui, vous comprendrez, n'est pas forcément très très utile de faire ça maintenant. Alors, de mes souvenirs, il y a une quête qui est à l'école de chevalerie. Enfin, c'est même pas de mes souvenirs, c'est que je m'en souviens. Mais est-ce qu'on peut la faire maintenant? Et je ne crois pas que nous puissions la faire maintenant. Eh bien, donc non, on ne pourra pas faire la quête maintenant. Donc en fait, on n'a pas de quête annexe. Ouais. Ouais, donc en fait, c'est ça, on n'a vraiment pas de quête annexe pour l'instant. Pas du tout, pas du tout. Ok, très bien. Bon, c'était juste une petite vérification. Ouais, bah du coup, l'épisode va se terminer plus tôt que prévu. Oui non, il y a rien là-bas. Ouais, faut monter. On va aller mettre la stèle et du coup on va pouvoir s'arrêter puisqu'en fait on a rien de plus à faire. Bonjour pour ton ancien. Comment tu as toi? Quel changement? C'est grâce à toi Link, je savais qu'on pouvait compter sur toi. Merci. Merci bien. Et donc, la dernière stèle. Qui va ouvrir donc le dernier passage. Donc après le vert, le rouge. Voici, non pas le bleu, mais le jaune. Maître Ling, je confirme qu'une troisième colonne de lumière est apparue au sud-ouest. Vous pouvez descendre vers de nouvelles terres. Une fois que vous serez prêt, je vous conseille de vous y rendre.
Et voilà un petit peu. Les trois stèles sont là et du coup le grosse stèle est complète. Donc là, à partir de maintenant, en fait, on va avoir littéralement les trois, les trois zones du jeu. Puisqu'il n'y a que trois colonnes de lumière au total. Donc on va avoir en fait accès, alors pas à toutes les zones, bien évidemment, puisqu'il y a encore des zones qu'on aura à explorer plus tard. Mais véritablement les trois points de descente. Donc Firon, Ordin et la Nel. Juste avant qu'on parte de Célestbourg. Ah! Ah! Il y a. Il y a un coffre qu'on n'a pas vu. Ah oui, il faut faire gaffe avec les coffres de la déesse, puisqu'en fait, ceux de Célestbourg n'apparaissent pas quand on est dans le ciel, mais apparaissent uniquement quand on est dans la ville. Mais je pense savoir lequel c'est, et je pense qu'on pourra pas l'avoir en fait. Si c'est celui auquel je pense, ouais, c'est celui-là. Dommage, regardez, il est juste là. Il est juste là. Et en gros, on ne peut pas l'avoir parce qu'en fait, on ne peut pas rentrer dans cette espèce de bâtisse. Parce qu'il nous manque encore un objet. On le voit là. On le voit bien. On le voit d'ailleurs, il y a un puits d'eau, donc en fait, il faut passer par l'eau. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas encore aller sous l'eau. On peut nager, mais pas aller sous l'eau. Et du coup, on ne peut pas récupérer ce coffre. Donc on l'a activé, en tout cas. Mais bon, on ne pourra pas le récupérer avant avant un bon moment, quand même. Hein. Ouais, parce qu'on va avoir à faire pas mal de choses avant aller chercher ce coffre. Bah c'est pas grave, du coup on va se rendre à la Nel. Pour découvrir donc cette nouvelle zone. Maître Lin Fei au rapport, nous sommes arrivés dans les mines de la Nel. C'est une terre aride qui s'est changée en désert en seulement quelques siècles. De la Nel. Et vous voyez qu'on a qu'un tout petit bout pour l'instant de l'immense zone qui nous attend. Il est probable que Dame Zelda soit arrivée dans cette zone. Voilà, donc bien évidemment, on va jouer à la détection. Sauf que voilà, on a une statue juste en bas et normalement. Voilà. Un cul de la déesse juste derrière. Oh bon, je vais pas m'amuser à péter tous les rochers pour avoir juste quelques rubis en plus. Des espèces de bestioles qui ne parlent pas. Cet élément semble en service depuis de nombreuses années, il m'est impossible de déchiffrer ses paroles. Très bien, merci Faye, je pense qu'on avait compris. Et donc la suite,
de l'aventure est juste devant nous, mais bien évidemment, vous l'avez pressenti, vous le sentez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Du coup, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à y laisser un pouce bleu, et on se retrouve la prochaine fois donc pour commencer la zone de l'anel. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine. Bye bye tout le monde.